d'Orlo et joyeux Saint-Valentin! Vive le V pour le national et restez debout pour la prière! Et Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, un jour tu as dit à tes amis, « Je vous donne ma paix. » Donne encore la paix à ma famille, à mon école, à tous les pays au monde entier. Rends-moi capable de bâtir la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février, jour 8, et voici vos nouvelles du matin. Je fais preuve de responsabilité en jouant de façon sécuritaire. Il n'y a pas d'anniversaire aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il y aura un cours d'espagnol pour le groupe C. Apportez votre croque à crayon et votre dîner. Les cupidons de la classe de Madame Mélanie viendront vous chercher pendant la journée pour acheter des chocolats ou des cœurs en épinglette. Un message aux enseignants que les bulletins ont été placés dans le pigeonnier. S'il vous plaît, les remettre aux élèves aujourd'hui. Un rappel de ne pas jouer sur les buts de neige lors des récréations. Il y aura une pratique de basketball à 10h15 pour les gosses 5e année et les filles et les garçons 6e année à 11h50. S'il vous plaît, voir la liste en avant du gymnase. N'oubliez pas qu'il y aura une vente de popcorn ce midi. Les structures bleues sont fermées. N'oubliez pas d'envoyer les cahiers d'absence au secrétariat. Les surveillances d'aujourd'hui sont ce matin, Mme Brigitte, Mme Martine, Mme Isabelle, Mme Chantal Rebillard-Cardinal et Mme Tania. Ce midi, Mme Karine. En fin de journée, Mme Rachel, Mme Mélanie et M. Jason. Sur ce, nous vous laissons sur la capsule écolo. N'oubliez pas, à rouleau, on remplit les seaux! Bonjour, le défi écolo de cette semaine est de ne pas prendre de petits pots de yogourt. Savez-vous que les petits pots de yogourt ne se recyclent pas s'il n'y a pas le logo de recyclage ou s'il y a le numéro 6 dans le logo de recyclage? C'est pour cela que vous devez en acheter en plus grosse quantité. Un pot de yogourt à la fraise peut parcourir plus de 9000 km si on prend en compte le trajet parcouru par chacune des matières premières. Fraises, lait, levure, sucre, peau et étiquette. Et celui jusqu'au domicile du consommateur. Chaque petit geste compte! Hey Vincent, aujourd'hui, de quoi tu veux nous parler? Des cartouches d'encre. Donc, qu'est-ce que les gens font habituellement avec les cartouches d'encre? Les jettent à poubelle. Puis là, combien de temps, là, ils s'en vont où, ces cartouches d'encre-là? Au dépotoir, hein? Puis combien de temps qu'ils peuvent rester là, les dépôts? Environ 500 ans. Oui, 500 ans ou plus. Donc, toi, tu nous suggères quoi aujourd'hui, Vincent? De les amener à l'école pour les mettre dans la boîte dans la mienne. Ou les amener aux Staples, ils vont les recycler pour vous gratuitement. Puis ils réutilisent. Oui. Puis où il y a ça, un magasin Staples? À Hawkesbury, puis Cornwall, puis les,
Oui, les grosses villes. Excellent. Merci, Vincent. Bienvenue.